bientôt 2 mois, beaucoup de jours. Parce que, par exemple, moi, la gendarmerie a décidé, comme quoi, que, après des incidents, il y a un homme qui a fait ses offres, qu'on a dû couvrir le nom de la Dakar. C'est un homme qui a fait des chaises. Depuis lors, il y a eu des chars. Des chars, espérant que nous, peut-être, une solution d'homme. Parce que 2 mois, il y a eu. Parce que, si on a eu une particularité, il y a eu une police et une gendarmerie. Je ne sais pas, malheureusement, ou heureusement, la police m'a dit que j'ai demandé de gérer. Donc, si vous avez le préfet, votre maire, vous avez dit que vous avez dit que nous avons une réunion entre le préfet, le sous-préfet du moins, le maire, avec les présidents des 2 ans. Nous avons réuni avec la gendarmerie et la police 2 jours. Nous avons réuni, nous avons convenu comme quoi que les activités vont reprendre. Mais si nous reprendre, la police dirait que nous avons réuni, mais comme la police a pris le nom, les plus moyens pour venir. Mais à notre grande surprise, à 48 heures, du cas rejet, nous avons dit que les informations comme toi, finalement, la police devait résister. Nicolas, qu'est-ce que nous résister à venir comme nous? Madame, taille, l'union est dans le nom, comme qu'on y a, zone bise, gendarmerie m'a rejeté. Donc, on y a, gendarmerie m'a rejeté, nous avons dit que 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 nous les Éthiopiens, les Sierra Leone, les Sénégalais, les donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est pour la population, c'est pour la jeunesse. Et comment on peut concevoir que nous avons un et ça comme nous avons un nous avons une demi-finale. Nous avons un parce que le problème entre police et gendarmerie, il y a des qui n'ont pas ZRFI. Nous avons parce que nous avons un donc, nous avons un il faut que police et les gendarmerie savent que nous avons un peu de mais nous, on les paye avec l'argent du contribuable sénégalais. Oui, oui. Donc, on est des jeunes. Il y a des gens qui ont fait compte de la jeunesse, de la jeunesse, problème moi ñi dañu décidé ñom comme quoi ñu duñu ñëw couvrir té ñun ñom li tax décision bobu ñun la la wuñ ci taxé wuñ ci jégué wuñ ci doko ñun lu ñu ñaan moy lén lu ñu ñëw couvrir lu ñu ci jamm ñu jé xam nga tay fékon tay ñoo def erreur bi dañ d'accord ah vous êtes fautif so xoyé ren naytani so xoyé ren fi au niveau de mbaw ay sé bi ñu lén ma yal ku génn sax am incident bu ndaw à l'instant té voilà 20h ñu jëp comment dirais-je PV bleu notifié comme quoi agnal la ku fu dék né voyage bi ñoo ci gëna nek. Donc, ce que je veux dire, c'est que le ministre de l'Intérieur nous l'a dit. C'est le maire en tant que préfet. Le Sénégal, c'est que le gouvernement gouverner, c'est prévoir. Nous savons que le mouvement de foule, le mouvement de jeunesse, surtout pour maîtriser les maîtres. Parce que nous avons essayé d'un boy, d'un jeu, d'un jeu, d'un jeu. Nous savons que c'était pour les vacances. Les vacances viennent depuis. Nous avons essayé d'un final. Nous avons essayé d'un la police de gendarmerie du monde pour moi, de découvrir un match championnat. De dingue de yon. Les gens ne sont pas capables de l'enjeu. On ne le voit pas parce qu'on est en Europe. Maintenant, les gens de 2 juillet. Soit on joue, soit on va se faire entendre. Il y a un peu de temps. Si on joue, on est obligé de le faire. Entendre, c'est-à-dire entendre, moi, je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Parce que le problème, c'est que dans le département de Pékin, je suis en train de faire une zone de zone. Parce que 25 ASC. Mais 25 ASC, mais loin d'où? Donc, il y a un gars qui est dimbali. Le président, politique de la jeunesse. Il est partout, il est du Melni. Il promouvoir les jeunes. Jeunes, actuellement, jeunes, nous sommes championnats, nous sommes professionnels. Nous sommes le président de la ville. Nous sommes les jeunes. Jeunes qui ont traîné dans les gens, qui ont traîné dans les manifestants, qui ont été dans l'équipe de l'État de civil, qui ont été dans l'État de civil. Nous avons été dans l'État de civil. Si nous avons été dans l'État de civil, nous avons été dans le président. C'est ce qui est fini. Nous avons été dans le football, nous avons été dans le plan B. Nous avons ah mais bon, comme nous voulons, c'est pas que mon mais la part avec eux. En réalité, franchement, parce que Bobo Léo, nous avons été dans le masla, nous avons été dans le masla. Mais il faut que nous devions dire, nous devons dire que les temps sont actuellement tendres. Donc, nous sommes en train de faire des police, des gendarmerie, nous sommes couverts de nous, nous sommes en train de faire des jambes, 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 nous sommes en train de fa
ñun paré nañ à tout liñu bëgg rek moo ñu ñëw furu suñu nataan du jisi jamm ak salam kessé tay fu maire démé ak sous préfet dem ba jël engagement tok waxtaan ak police gendarmerie pour ñu ba ñusé donc ñom xam nañ donc li fa metti dafa metti da nga dem ba ayé lég da lay ko wax na la non zone la nga xam ñu la non diiw la wax ñu la diiw en réalité ce qui se passe moy tay man pour man la police la gendarmerie war nañ am plus de considération envers la population parce que ñom ñu ñoo la fi nekkal ñu la fi nekkal du moins ils sont pas avec la loi du contrôle sénégalais dëgg la lu ñu bëgg moy kala ngeen encadrer ñu jé ci jamm ak sa biir ñi bi xex amul dara amul donc lool yomuna maintenant nak ça a décidé soit ñu ñëw couvrir ñu wala ñu wacc terrain ñu couvrir ñu ñom à bon entendeur sal Aline Puy président de la zone 15 de Bao nous sommes là pour nous adresser à la population et aux ASC parce que comme vous le savez depuis bientôt 2 mois les activités du mouvement navetan sont paralysées ici à Bao. Aucune ASC ne joue, faute de sécurité. Nous avons un stade à notre disposition. Les ASC ont été subventionnés par le maire à temps, les zones également. Mais depuis le début de navetan, il y a certaines zones qui sont aux phases des demi-finales ou quarts de finale. Alors que dans nos 2 zones, à la zone 14 ou à la zone 15, il y a même des ASC qui n'ont joué aucun match. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous dit qu'ici à Mbao, c'est une zone qui est sous couvert de la gendarmerie. Mais, comme vous le savez tous, depuis un certain temps, la gendarmerie a décidé de ne plus assurer la sécurité au sein du mouvement navetan jusqu'à nouvel ordre, dans la région de Dakar et dans la région de Thiès, pour des problèmes dont nous ne sommes pas concernés, des problèmes qui se sont déroulés ailleurs. Ce que nous déplorons fortement parce que nous payons pour les erreurs des autres. Alors que ici à Mbao, vraiment depuis l'année dernière, on a senti que la navetan se déroule correctement sans incident majeur. Aussi, le sous-préfet que nous saluons au passage et M. le maire également que nous saluons ont fait tous les efforts qu'il faut pour permettre à la jeunesse de s'épanouir. Tout récemment, ils nous ont convoqué lors d'un CLD où les 2 corps de sécurité étaient présents. La gendarmerie était là-bas, la police également était là-bas. Et on s'était accordé pour un redémarrage des activités le mercredi. Mais à notre grande surprise, à 48 heures de l'événement, le sous-préfet nous appelle pour nous dire que finalement, la police a décidé de ne pas venir. Ce que nous déplorons parce que les ASC dépensent beaucoup. Une ASC que vous programmez pour un match, elle commence à dépenser. Et depuis, on a fait pas mal de programmations qui ont avorté. Les ASC souffrent, ils n'ont plus aucun sou dans leur caisse. Maintenant, nous voulons jouer et nous voulons jouer ici à Mbao. Oui, nous voulons également que nos ASC, nos activités soient sécurisées. On ne peut pas comprendre que nous sommes dans une petite commune comme Mbao avec 2 corps, la gendarmerie d'un côté et la police de l'autre côté. Maintenant, on ne peut pas jouer parce qu'on n'a pas de sécurité. Donc nous, est-ce que nous sommes considérés comme des citoyens ici au Sénégal ou pas? Alors que dans les autres communes, tout le monde joue. À Mbao, on ne peut pas jouer. Ça, ce n'est pas normal. C'est ce que nous déplorons et que nous voulons vraiment que des solutions soient trouvées pour que vraiment la jeunesse puisse s'épanouir. En tout cas, nous remercions encore une fois M. le maire qui est en train de faire vraiment des efforts dans ce sens. Nous remercions également le sous-préfet. Mais nous voulons également que les autorités étatiques y mettent la main pour permettre vraiment à la jeunesse de Mbao et au sport de Mbao d'émerger comme dans toutes les autres communes. C'est ce que j'avais à dire en laissant à mon collègue de la zone 14, mon camarade de la zone 14, compléter le reste. On a beaucoup de choses à dire parce que les ASC sont là, les zones sont là, les membres de CD de 2 zones sont là. Les ASC, il y a certaines ASC presque, sont vraiment au bord du gouffre parce que les joueurs ne viennent plus aux entraînements. Les populations ne comprennent pas, on nous interpelle de gauche à droite. Maintenant, on ne sait pas quoi leur expliquer parce que les gens pensent que peut-être c'est la responsabilité des zones. Alors que les zones ont les mains liées, on ne peut pas jouer sans sécurité. Ok, mais présent, le préfet, n'as-tu pas donné les raisons pour lesquelles?
Oui, les raisons, c'est tout simplement, comme vous le savez tous, à Mbao, c'est une zone où géographiquement, il y a une zone qui est attribuée à la police et une autre zone qui est attribuée à la gendarmerie. Malheureusement pour nous, la zone dans laquelle se situe au stade est attribuée à la gendarmerie. Et la gendarmerie a décidé de ne plus couvrir les Navetan dans la région de Dakar et dans la région de Thiès. Maintenant, on s'était accordé lors de notre dernière rencontre à la sous-préfecture pour que la police vienne continuer les Navetan avec nous. Mais malheureusement, comme le stade se trouve dans une zone qui n'est pas leur zone d'intervention, finalement, leurs supérieurs ont décidé de ne pas venir et ont demandé à ce que chaque corps reste dans sa zone. Nous, en tout cas, tout ce que nous voulons, c'est d'être sécurisés et de nous permettre de jouer et de terminer nos activités. Parce qu'on a dépensé énormément d'argent. Quelle est la solution alternative? La solution alternative, en tout cas, en attendant, on est en tout cas sous l'écoute. On écoute le maire qui est en train de trouver des voies et des moyens pour nous permettre de jouer. Mais si lui aussi, et on lui fait confiance, on sait qu'il peut décanter la situation, mais nous allons l'accompagner dans ce combat. Si vraiment au niveau supérieur, il ne faut rien pour lui, on va nous entendre. Nous voulons même descendre dans la rue et nous faire voir, parce qu'on a une jeunesse vraiment très polie, une jeunesse civilisée. Depuis lors, personne ne nous a entendus. Nous sommes restés calmes, tout en espérant qu'une solution va être trouvée très prochainement. Et on y croit. On y croit avec les autorités que nous avons, les autorités locales. En tout cas, on croit qu'une solution sera trouvée et nos ASC joueront leur rôle. Dans les brefs délais. Dans les brefs délais. Dans les brefs délais, parce que, comme je l'ai dit au début, il y a certaines zones qui sont au niveau des quarts de finale, voire demi-finale, où sont en train même de préparer leur finale. Nous, nos ASC ont joué un seul match et il y a d'autres ASC qui n'ont joué aucun match. Nous avons perdu beaucoup de temps et il nous faut vraiment rattraper ce temps-là dans les plus brefs délais.